Bon, je vais faire mes dessins pour les cellules. Alors, une petite caisse, une vieille ruche cadre là qui doit avoir 200 ans. Une partition, un cadre à bâtir, j'ai laissé la place pour 3 cadres. Et là-dedans, je vais prendre 3 cadres d'abeilles. Avec un coin fermé, un bout de couvent ouvert. Là-haut, ça ne sert absolument à rien là-dedans. Hein. Ça va se terminer, qu'elles vont toutes virer de la production parce que il n'y a pas plus de production en ce moment ici. Pas sur certaines. Tout ça, ça va se terminer en essai. Ouais, je te disais le risque de l'histoire quand tu fais les essaims en tirant des cadres. On se fait tout savoir. Oh, putain, c'est sec. Hein. Oh. Encore 10 jours de froid, ouais, il y a du nectar. Mais... le risque, ça va être d'embarquer la reine. Alors on va faire différemment. On va le faire différemment. Celle-là, elle ne mériterait pas, tu vois, que je lui enlève des cadres d'abeilles. Je vais d'ailleurs enlever des cadres d'abeilles et me virer de la production parce que là, faut pas rêver, hein, elle fera pas et des essaims et du miel. Hein. Alors, quand on trouve pas la reine, et j'ai pas envie de perdre 100 000 ans non plus, je vais prendre 2 cadres de couvent, je les secoue, je mets une grille à reine, une caisse vide, et je vais laisser remonter les élevages dessus. Et dans une heure, je viens chercher tout ça. Hein. Laisse-moi regarder la ponte un peu. Ah, la ponte, elle est pas top. Hein. La ponte, elle est pas top parce que là, il n'y a rien dedans. C'est pas répondu. Est-ce que ce serait pas encore une reine qui part en sucette? Non, là tout est répondu dans les trous. Hein. Ouais, bon, on attend, hein, si ça ne miaule pas, elle va pas s'enflammer, hein, la mémère. Hein. Alors, je vais pas lui en enlever 3, là. Hein. Je vais en enlever qu'un. Hein. Ou alors j'en enlève 2 et je la sors de la production ici parce que les prochaines grosses mielées ici, ça va être fin de printemps, la ronce, les 5 foins. C'est là franchement, le printemps ici, on oublie. Hein. On oublie. Bah ouais. Qui m'a écrit là que ça va être une année à miel, hein. Et qui pour l'instant c'est pas une année à miel de printemps, hein. Mais bon, changer, hein. Allez, on fait ça, on s'emmerde pas. Hop là, voilà, on dégage un maximum, comme ça c'est plus facile pour trouver la reine aussi. Et là, pourtant ça miel un peu, tu vois, c'est cool, hein. Voilà, là on serait vraiment, je serais vraiment un gros cave de pas voir la reine. Hein. Donc je lui vire un cadre. Tic, j'ai même lui en virer 2, on sort de la prod, allez. On va s'emmerder un moment. Un moment. Je sais ce que ça va donner par la suite. Ici. On va les laisser se refaire. Attention à toi, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire là? C'est un miel, mais pas suffisamment. On va pas ouvrir le gaz, hein. On va pas ouvrir le gaz pour autant, hein. On est d'accord. Cellule parce que ça miel, mais sinon voilà quoi. Allez, ça aussi, voilà. Donc t'as compris l'histoire, hein. Une fois que j'ai ces 2 cadres là dedans,
Déjà sans abeilles, c'est plus facile de trouver la reine. C'est plus facile de trouver les cellules aussi. On finit la visite. Si on trouve la reine, c'est magnifique. Si on la trouve pas, on s'en fout. Et on va lui redonner deux cadres à bâtir et puis voilà, et puis on va la laisser se redévelopper gentiment. Hein. C'est un peu tôt pour faire ça. Mais... J'ai mes cellules, je vais commencer les essaims et puis c'est tout. Hein. Elles sont vraiment très très bonnes cette colonie là. Ça me rassure. J'ai encore de l'odorat. C'est que j'ai pas le Covid. Ah bah ouais, hein. On est en plein confinement encore. Hein. On est encore en plein confitement plutôt. On est en train de se confire les gars là. Hein. Ah, ceux qui ont l'habitude de travailler beaucoup. Hein. Tu as vu? C'est drôle hein. Comme si tu arrêtais la clope. Tu en manques. Non, je parle pas des titous, hein, mais et le travail, hein. Sacré titou, hein. Medicandy. Bon, niveau douceur, on va dire, écoute, vu que j'ai la manicule sec et sans trop de fumée, ça va, ça vient de taper, mais c'est pas des... Des fois là c'est quoi hein. Et du couvain là j'ai pas vu. Pollen. Allez. Voilà. Deux cadres à bâtir. Tic. Et on bâtir. Voilà, je décale tout. C'était. Ah, c'est la température là qui fait que ça booste pas comme un menton là parce qu'on a encore des nuits très fraîches là. Hein. Je suis encore 3-4 la nuit. Hein. Mais là, c'est la dernière semaine qu'on a de froid. Je pense que ça va monter en puissance. Après il va falloir que les ressources soient là aussi, hein, bien sûr. Ouais, je vais le mettre quand même. Oh là là, regarde la boulette, tu as vu? Merde. Ah ouais, en ce moment on n'est pas attentif. Hein. On est là en travail, mais... On a du mal à se concentrer, enfin moi, hein, je parle de moi. Hein. Allez, vous allez remonter gentiment là. Hop, voilà, c'est comme de l'eau. Allez, gentiment. Voilà, bon, je retrouve le chemin de la maison, t'inquiète. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Grille, kick. Et puis je mets ça dessus. Il y a un trou, hein, il y a des mâles qui veulent sortir. Histoire de faire remonter du couvain. Histoire de faire remonter des abeilles dessus. Voilà, je ferme. Et puis ça, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Hein. Rien de rien là-dedans, on va regarder. Mais... Qu'est-ce que ça fait? Rien, elle bosse même pas dessus, hein. C'est en train de réparer, c'est tout. Hein. Écoute, voilà, hein, c'est ce que je vais faire dans une demi-heure. Je récupère ces deux cadres de couvain.
Idéalement, il faudrait que j'ai un cadre de miel, je le récupérerai la prochaine fois sur l'autre rucher. Je vais leur mettre un cadre de miel, deux cadres de couvain, deux cellules plantées dedans et un cadre à bâtir, mais elles ne le toucheront pas. Voilà, puis je fous ça dans un coin et puis voilà, on suit, hein, on marque la cellule doit être de 5-6 jours, donc dans 10 jours, on ouvre, on regarde si ça fait le truc. Puis après ça se développe gentillou. Hein. Voilà. Hein. C'est tout.